Bonjour à chacune et à chacun. 9e jour de l'Avent. Ressentez la présence de votre petite étoile qui est riche de tous les merci de la semaine qui vient de passer. Ressentez comme elle brille. Ressentez peut-être comme votre cœur semble plus grand de cette lumière. Cette semaine, nous allons évoquer ce qui voile notre petite étoile. Parce que lorsqu'on s'en rend compte, ça peut se transformer. Ressentez l'air qui pénètre dans vos narines, qui descend dans votre cage thoracique, qui vient gonfler le ventre. Et à l'expiration, l'air qui prend le chemin inverse. Comme les vagues de l'océan, chaque respiration nous permet de ressentir le calme, qui est une des caractéristiques aussi de notre étoile du cœur. Au fur et à mesure de la semaine et de ce temps vers Noël, peut-être que ce calme prendra de plus en plus de place en vous. Et c'est grâce à lui que l'on peut voir ce qui voile notre petite étoile. Et aujourd'hui, je vous invite à penser à une expérience qui vous a mis en colère ces derniers jours ou il y a plus longtemps. Ressentez dans votre corps ce qui se passe quand vous pensez à cette situation. Peut-être que les muscles se tendent, peut-être que le cœur se ferme ou se met à battre plus fort, peut-être que la colère empêche de sentir, de ressentir notre petite étoile. L'invitation, quand ça se produit, c'est de laisser faire, de dire oui à la colère. C'est notre résistance à la colère qui voile la petite étoile. Mais notre petite étoile du cœur peut dire oui à cette colère, c'est ok. Et respirer avec cette colère. Lui amener toute la lumière de notre petite étoile, comme si nous prenions soin de cette colère. Sans s'énerver ou crier contre quelqu'un, juste j'accueille que là, ça fait de la colère. Et vous allez voir la puissance de cette petite étoile qui peut dissoudre la colère et vous en donner le message. Ce qui vous a mis en colère avait un message, quelque chose que vous trouviez injuste ou qui vous frustrait. Quand la colère se sera un peu apaisée, peut-être que vous pourrez aller parler à ces personnes. Parler à partir de la petite étoile, parler à partir du cœur.
parfois il faut un peu de temps pour que la lumière de notre petite étoile ou le calme intérieur permette d'apaiser la colère. Parfois elle est plus forte que nous. Pour terminer, je vous invite à vraiment revenir à votre petite étoile pour qu'elle brille pleinement, que vous repartiez serein pour votre journée. Et si dans la journée, il y a des colères qui se manifestent, vous pouvez essayer avec la respiration, le calme et la petite étoile de les apaiser avant de parler. Belle journée.